car il s'est confié sur le clash avec Booba et évoqué ce qui le pousse à ne pas répondre au propos de ce dernier, alors que les tensions entre eux sont toujours présentes. Les amis, suivez-moi pour les actualités. Dans cette chaîne, on va parler sur tous les actus de vos stars préférées. Alors n'hésitez pas de liker, abonner dans ma chaîne. Grosse force à vous les gars. Caris s'en fout de Booba et ne le calcule pas. Fréquemment provoqué par le DUC sur les réseaux sociaux et dans ses sorties médiatiques, Caris ne répond quasiment pas aux attaques de son rival. Dans une récente interview pour la promotion de son album, Caris a expliqué pourquoi il ne réagit pas au propos de Cop à son encontre. Comme vous le savez déjà les amis, la liste des ennemis de Booba est plus en plus longue. De ses anciennes relatives avec Ruff et La Fine, aux nouvelles avec Gims et Sadek, ou encore Maes, c'est celle avec Caris qui a marqué les fans du rap français. En effet, avant d'être en conflit, les deux rappeurs ont collaboré ensemble et Booba a mis en avant la carrière de Caris. Dernièrement, dans un entretien avec Léa Salamé à l'antenne de France Inter, Caris s'est confié sur le clash avec Booba et évoqué ce qui le pousse à ne pas répondre au propos de ce dernier, alors que les tensions entre eux sont toujours présentes. Caris, il a dit, je m'en fous de ce qu'il fait, je ne le calcule même pas. Bon, ça c'était pas un truc voulu, hein. Ils sont venus, bon, c'est pas ce qui s'est passé, mais bon, je referais tout pareil. Tout pareil. Ouais, je regrette rien. Ouais. Je regrette rien. Vous êtes pas réconcilié avec Booba ? Non. Lui dit autant demander à Poutine de se réconcilier avec Zelensky. Je suis d'accord avec lui. Sa croisade contre les influenceurs, vous la trouvez comment ? Je m'en fous en fait de ce qu'il fait, je calcule même pas. Vous dites qu'il y a beaucoup de jalousie dans le rap, beaucoup de compétition. C'est pas ce que pense SCH qui est dans votre album. Lui, je l'ai reçu il y a un an, il dit que le rap français justement est différent du rap américain, il y a plus d'unité, écoutez-le. Finalement, je pense que ça, on ressemble beaucoup moins déjà aux États-Unis. J'ai l'impression que on n'a pas le même entertainment et finalement l'unité, elle est beaucoup plus importante que cette espèce de truc de c'est moi le meilleur, etc. Enfin, pas de meilleur quoi. Il y a beaucoup de jeunes, de mecs finalement qui s'en sortent et qui sortent d'un cadre compliqué quoi. Vous êtes pas d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Non, vous êtes pas d'accord avec lui. Je suis pas d'accord avec lui, mais. Je trouve qu'il y a de l'ego partout, mais c'est vrai qu'en France, il y a un peu plus d'unité. Ouais. Surtout dans la nouvelle génération. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Dites-moi dans les commentaires et n'hésitez pas de liker, abonner dans ma chaîne. Grosse force à vous, les gars.